Bonjour! Donc, je commence ce matin avec des nouveautés. Je veux vous montrer aussi des petits trucs. Donc, j'attends que les gens, on est 5 minutes en retard ce matin. J'attends que les gens se branchent pour vraiment pouvoir commencer. Je veux être sûre que vous êtes à l'écoute. Donc, déjà jeudi, on a eu une baisse de température assez soudaine. Ce matin, c'était pas mal plus frais qu'hier. Ça fait du bien. Donc, j'espère que vous avez apprécié la petite brise ce matin qui faisait en sorte qu'on était beaucoup plus confortable. Ce matin, je vous ai... Il y a plusieurs nouveautés qui sont arrivées et j'ai des trucs aussi à vous montrer pour transformer votre petite robe qui peut être mise de plusieurs façons. Des fois, on n'y pense pas. C'est des trucs vraiment très faciles à retenir. Donc, on commence ce matin. J'ai une robe qui est diaphane. Elle a vraiment une transparence. Si je mets ma main, je ne sais pas si vous voyez. Donc, elle a vraiment une transparence. Donc, on va voir le sous-vêtement en dessous. C'est la robe parfaite pour mettre sur un maillot de bain. C'est tellement léger que c'est comme si on n'avait rien en dessous. on n'avait rien sur le dos. Parce que j'ai beaucoup de choses en dessous, vous allez le voir, justement. Les gens qui veulent cacher leurs bras, puis qui ont, des fois on dit, les robes sans manches, j'ai pas des beaux bras, je voudrais les cacher. J'ai la solution pour vous ce matin, j'ai mis le chandail de la collection Bambou, qui est intéressant puisqu'il absorbe l'humidité, il fait en sorte que vous allez être quand même confortable, même s'il fait très chaud. Puisque c'est vraiment un tissu qui est parfait pour les grandes chaleurs. Donc, j'ai ajouté le crop top blanc. J'ai d'autres couleurs, je vais aller vous le chercher. J'ai oublié de les mettre sur mon rack ce matin. Donc, ça pourrait être très joli aussi avec un punch de couleur. Des fois, ça me fait un petit regain. Donc, les couleurs disponibles, oups, j'ai comme enlevé quelque chose qui n'avait pas rapport en même temps. Le crop top que je porte blanc, il est court, mais en dessous d'une robe, ça paraît pas du tout. Donc, j'ai aussi la couleur, celle-là, je pense qu'elle appelle ça jade. Oups, l'étiquette n'est pas là. Couleur jade. Donc, ça aurait pu être beau aussi en dessous du marine. Le beau menthe et le fuchsia. Le fuchsia, ça aurait fait un beau punch, la petite... Ça peut changer vraiment une tenue. Des fois, ça pourrait être vraiment une bretelle spaghetti aussi. Ça pourrait être très joli également. Là, j'en ai pas pour vous montrer. Ah oui, j'en ai une. Fait que je pourrais vous montrer le qu'est-ce que ça pourrait être aussi. Donc, peut-être que c'est pas la bonne couleur pour aller avec ça. Ouais, c'est peut-être pas le bon exemple. Donc, une petite bretelle spaghetti noire qu'on voudrait rehausser. Pourquoi pas la porter avec un crop top, ajouter une manche. Si on veut se sentir plus à l'aise. Et ces petits top courts, hein, crop tops en anglais, les top courts ici sont à 28 $, mélange de bambou. Vous savez, on les vend vraiment bien, les bambous. Ces derniers temps, on a vendu énormément de bralettes. Il reste presque plus de Capri 3 quarts. On vient de recevoir ce matin la boîte, donc ça va être étiqueté puis en ligne dès demain matin. Donc, peut-être même d'ici la fin de la journée, là, si on a le temps. Donc, je vous dis, là, j'ai ajouté, pourquoi pas, hein, noir et bleu. On ajoute une petite touche, un punch de couleur. Moi, j'ai décidé d'ajouter du jaune, mais avec le rouge, j'aurais été beau aussi. Les gens qui sont frileux aussi, qui veulent rajouter de la couleur, on aurait pu mettre un foulard également pour vraiment agrémenter le tout. Donc, celui-là, c'est le dernier, 20 $. Ah! C'est la bonne étiquette. Dans le jaune avec le petit ruban, ceux qui sont allergiques au métal, celui-là, il est vraiment en tissu, donc effet cuir. Fait que je vous mets ça ici tout de suite. Donc, je vous dis les étapes. Là, elle est très transparente, comme je vous dis, cette robe-là. Mais moi, j'ai mis du bambou en dessous. Vous savez que le fameux... J'ai vraiment des épaisseurs. Le fameux puissard... en bambou avec la taille qui est donc gainante ici en haut. On peut le mettre tout simplement avec le crop top parce qu'il est tellement haut qu'on ne verra pas rien entre les deux. Donc, on pourrait juste mettre cuissard avec une petite camisole ou le crop top puis ajouter la robe par-dessus. Je vous dis le prix de cette robe-ci qu'on a, je pense, small, medium, large, je crois. J'ai peut-être même extra large. Je crois qu'on en a small à extra large.
Donc, c'est la robe dans la collection Angela Mara. Elle n'est pas encore sur le site. Elle va être là au cours de la journée. 118 $. Donc, la robe rayée de Angela Mara. Si vous auriez aimé avoir quelque chose de plus sobre, pourquoi pas y aller dans le ton sur ton avec un bijou blanc. Blanc et ivoire, ça c'est intéressant, puis un petit peu de gris. Donc celui-ci, c'est de la collection Axel, il est 32 $, vraiment super joli. Ça fait un peu plus sobre pour les gens qui sont plus classiques, qui veulent vraiment avoir quelque chose de pas punché avec une belle sandale blanche. C'est très joli également. Donc le crop top que j'ai mis, il arrive ici. Mais si vous voyez bien, ça arrive pratiquement à la même hauteur que le cuissard. Donc, j'enlève mon chandail crop top et j'ai mis la camisole réversible de la compagnie C'est moi. Donc, je vous montre ça tout de suite. J'aurais pu, si j'avais voulu vraiment avoir sans manches, pourquoi pas aller avec une camisole sans manches. Donc, ça donne un autre look à ma robe, comme ceci. Donc, vous voyez la transparence. On le voit tout de suite, la transparence de la robe ici. Comme je vous dis au début, que c'est parfait pour aller sur un maillot. Donc, avec une camisole, on peut l'enfiler puis faire un effet sans manche. Donc, on continue avec les nouveautés qu'on a reçues aussi. Donc, je vais vous enlever celle-ci. Qu'est-ce qui est intéressant? Là, je l'ai mis du côté V, qui est le côté qui est un petit peu plus décolleté. Si on veut la tourner de côté, celle-ci, elle va être le côté col rond. Je vais vous faire la démonstration pour vraiment vous montrer. J'ai beaucoup d'épaisseur ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc, c'est intéressant. Il faut vraiment enlever l'étiquette étant donné si on veut le porter des deux côtés. Donc, de ce côté-ci, c'est col rond. Donc, il est un petit peu moins décolleté. Fait que si on veut avoir quelque chose pour de moins décolleté, on est de ce côté-ci. Cette camisole-là qui est réversible est 28 $. On l'a dans plusieurs couleurs. Vous pouvez le voir sur notre site Internet. On a du noir, c'est certain. Du ivoire, du blanc. Vraiment, allez voir sur notre site Internet. On a du menthe dans la même couleur que celle-ci. On a vraiment de belles couleurs. Vous pouvez aller voir sur notre site Internet. On continue avec les nouveautés. Donc, il me reste à enlever mon cuissard blanc. Encore là, si vous allez voir sur le site Internet, le cuissard, il est disponible seulement dans le blanc. Il reste peut-être un rose, mais il va avoir des ajouts dans le noir. Là, il est arrivé, on a reçu la boîte, comme je vous ai dit, là, ceux qui n'étaient pas là ce matin. Donc, le cuissard moi, je le mets à toutes les sauces. J'avais un cours de yoga hier, je l'ai porté pour faire mon yoga. Je le mets en dessous de tunique, c'est vraiment... je vais vous le montrer tantôt. En dessous d'une tunique, c'est magnifique également. Et puis, on peut aussi le mettre en dessous d'une robe pour éviter les frottements. Quand on a chaud et les cuisses nous collent, c'est vraiment désagréable. Ça absorbe l'humidité. C'est vraiment merveilleux pour les chaleurs, mais aussi pour être confortable. En même temps, ça s'adapte à la chaleur du corps. Hein. Si moi, je suis une fille qui est frileuse, je le mets souvent en dessous des robes à l'air climatisé. Ça me réchauffe, donc ça me fait une petite couche. Voilà pour la nouveauté. On y va avec Tricoteau. A fait une super belle robe qui est nouvelle. On vient de la recevoir. Regardez l'imprimé. On peut aller sur les terrasses. Donc, moi, je trouve que c'est la robe parfaite pour aller sur les terrasses. C'est sûr qu'avec ma camisole, je ne sais pas si on va pouvoir avoir un effet du décolleté. Mais regardez, moi, je trouve que c'est un peu décolleté à la Marilyn si je descends ma camisole. Donc, vraiment super décolleté. Et cette robe-là, elle est parfaite pour camoufler les petits ventres un petit peu enrobés, plus ronds. Puis, moi, j'ai pas une poitrine très forte. Je pense que vous avez remarqué. Puis, ça donne vraiment du volume. Moi, je pense qu'avec cette robe-là, j'ai comme augmenté. Donc, voici la couleur et avec les petites fleurs. C'est vraiment un bel imprimé, facile à porter, très passe-partout. Donc, moi, je me vois très bien avec une petite coupe de vin sur une terrasse. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Puis, j'ai le petit
bijou très, très léger dans le jaune qui pourrait aller chercher justement un petit punch de jaune qu'on a dans notre imprimé directement sur notre... Je vais vous l'enfiler pour vous montrer l'effet. Étant donné que là, mon décolleté, je vais... Vous savez, là, ça, avec la petite bande, là, on a à peu près 2 pouces de jeu pour savoir où est-ce qu'on... Moi, je vais mettre au plus court pour vraiment que ça aille dans mon décolleté. Voilà. Puis on peut le mettre aussi au plus long pour que ça descende un petit peu plus bas. On pourrait aller avec quelque chose de plus délicat également si on veut garder l'effet du décolleté. Donc, cette robe-là de tricoteau, on l'a reçue dans toutes les tailles, de small à extra large. Donc, on n'en a pas beaucoup en magasin. Il y a vraiment un de chaque taille. Fait que si vous avez envie de l'acheter par téléphone, c'est peut-être encore plus... parce que je pense qu'elle va être sur Internet dans les heures qui suivent. Donc, ou à moins qu'elle soit déjà arrivée, là, je ne peux pas vous le dire. On a mis la photo ce matin. Donc, 135 $ cette petite robe. Et puis, c'est un tissu infroissable. C'est du polyester. Donc, une robe qu'on lave, on sèche rapidement. Parfait pour le camping. Pour avoir un petit 5 à 7 au camping. C'est sûr que ça dépend de qu'est-ce que... On a le goût de... Ben, je pense qu'on a le goût d'être chic, hein? On a tellement porté des choses trop plus sport, mou, qu'on a envie d'avoir des choses un peu plus ajustées. J'ai rapporté, il ne restait pas toutes les tailles, le fameux pantalon très mince et très élastique de la collection Tricoteau. Il est à 125 $, il n'est pas donné, mais savez-vous qu'il est dans nos soldes à 20%? Et puis, je vais vous laisser pour vraiment vous montrer. On l'a dans... Je pense que celui-là, on a toutes les tailles dans la couleur bleu de nain. Et puis, on a également marine. Puis aussi, j'ai quelques tailles qui restent un peu dans le noir. Donc, je vous enfile celui-ci. C'est une taille 8 ans. Ah, oh, j'ai la 6 aussi dans le noir. Mais ça, c'est une belle couleur, je trouve. C'est un... Je l'appelle... Bleu. Donc, bleu, marine et noir. C'est vraiment une toile. C'est tellement léger. Puis, les clientes m'ont dit qu'il était tellement confortable qu'on l'a ramené aussi parce qu'on avait vendu plusieurs tailles. Vous voyez, celui-là, j'aurais pu prendre une taille de moins. Tout dépendant si on aime être ajusté ou pas. Mais... C'est vraiment très, très confortable. Et puis, un petit détail de stud ici avec l'ouverture qui est vraiment très joli. Donc, assez ajusté. Mais écoute, c'est comme si on n'avait rien. C'est vraiment confortable. Je comprends les clients. Je pense que c'est la première fois que je l'essaye de mémoire. Donc, c'est vraiment un... Ah, oh, ben regardez! Je vais vous montrer une nouveauté qu'on a eue de la collection. Ça, je pense c'est Angela Mara. Oui, donc je vous montre ça à l'instant. C'est pas encore sur le site internet. On a déjà eu cet imprimé-là, mais c'est un nouveau modèle avec les trous sur les épaules. C'est sûr que ça fait toujours plus estival, vacances. Donc, je vous montre ça à l'instant. Je vais mettre ma camisole à l'intérieur pour vraiment vous montrer. Il habille vraiment sa taille, puisque moi, j'ai vraiment du louche. Je pourrais prendre le 6 ans. C'est la taille que je prends d'habitude. Là, ça, c'est un 8 ans. Voilà, donc avec les petites ouvertures sur le côté, donc vraiment très belle couleur. Celui-là, c'est taille unique, il n'y a pas de grandeur dans celui-là. Donc ici, c'est, on peut l'avoir serré aux hanches, mais au niveau du buste, il n'y a vraiment pas de souci. C'est parfait pour toutes les tailles. Puis au niveau de la manche, il n'est pas trop étroit, donc ceux qui ont les bras un petit peu plus forts, c'est vraiment pour toutes les tailles. Donc je dirais jusqu'à un bon large. Extra large si vous avez les hanches un petit peu plus étroites, mais si vous avez les hanches plus fortes, ça va être peut-être difficile. 66 $, je suis bien sûr, oui. 66 $, c'est cet item en tricot. Puis le tricot de la collection Angela Mara, on vous a présenté plusieurs robes qu'on a la plupart vendues. Il y a beaucoup de polyester dedans, donc c'est pas un tricot qui va s'alourdir, s'allonger, il va rester vraiment tel quel. Nous, les tricots, habituellement, on les plie puisque ça allonge. Puis ceux-là, on les a laissés directement sur les seins. Puis ça ne bouge pas du tout parce qu'il y a vraiment un bon pourcentage de polyester. Je peux vous dire exactement le 62 polyester, 33 viscose et 5 élastane. Il me semble que j'ai le toupette
qui est de travers. Donc, 66 $, ça donne un petit punch, hein, c'est vraiment joli. Les belles couleurs de l'été, ça fait du bien. Puis c'est un tricot qui est vraiment ajouré, donc un tricot parfait pour l'été. Donc, je vous mets... Ah, on avait mis un beau bijou avec ça. Je ne l'ai pas montré. Là, je ne sais plus ce que je suis rendue. Okay. Les ici, je vais vous montrer avec le 5. Bonjour! Salut! Donc, je vous montre ça avec le 5 et le bijou. Donc, on a mis du marine. Tu peux aller au comptoir. Donc, ici... On a mis le marine à la fin. Donc, là, je garde mon capri pour peut-être vous montrer quelques items. Ou bien, je mets un capri en jeans. Ceux qui n'ont pas de capri en jeans, je veux en présenter un qui est dans notre solde, là, 20%, et en magasin, le deuxième item, qui est à 50%. Il est vraiment intéressant. Je l'ai peut-être présenté, mais j'ai quand même quelques tailles de disponibles. Donc, je voulais vous le représenter pour pouvoir mettre les petits tops pour aller avec. Donc, je vous enfile. Celui-là, c'est un 4 ans. Il est 79,99. Donc, vous enlevez 20% si vous prenez si vous le prenez sur le site Internet et en boutique, comme je vous ai dit plus tôt, avec notre vente, le deuxième à moitié prix. Donc, c'est sûr que quand il n'y a pas de zip, c'est toujours plus difficile à enfiler au départ, mais une fois qu'on l'a sur nous, c'est la bonne grandeur. Donc, voilà. Qu'est-ce qui est intéressant? Il est un petit peu plus large au niveau de la cuisse, donc il n'est pas trop collé. Fait que ceux qui ont souvent les mollets plus forts et qui ont de la difficulté à se trouver un capri qui leur fait bien, celui-là, c'est parfait pour vous. Donc, on a... celui-là, c'est un 4 ans, pour vous donner un... Moi, habituellement, je suis 6 ans dans les pantalons, mais celui-là, je peux vraiment me permettre d'avoir 4 ans pour qu'il soit parfait. Et c'est un bonheur, le stretch, l'extensibilité de ce pantalon. Il est parfait. J'ai, ah, pourquoi pas, avec les jeans, un nouveau... je pense que c'est encore de la collection... Je pense que c'est Angela Mara. Pas certaine, je crois que oui. Je vous l'enfile. C'est un chandail encore là, la même fibre de polyester, un mélange de polyester qui reste vraiment très beau. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il est imprimé des deux côtés. Donc, on a d'un côté et de l'autre. Bonjour! Donc, on a de la visite. Donc, on a le chandail chauve-souris. Vous pouvez laver vos mains. Si vous allez là, on ne vous verra pas dans la caméra. Donc, on est toujours très contente de vous accueillir en magasin. Fait que c'est le fun de vous voir venir nous rendre visite. C'est un chandail oversize qui est ici. Moi, j'ai toujours un petit tour à faire puisque j'ai pas les bras longs. Donc, on peut faire un petit tour ici de ce côté-ci. 55 $ vraiment. Et puis, c'est vraiment un chandail taille unique encore une fois dans l'oversize. Donc, on en a quelques items de disponibles. Regardez si c'est joli avec un jeans. Puis moi, je serais du genre aussi à le mettre un peu asymétrique pour vraiment avoir le look désiré. On pourrait ajouter dans le ton sur ton, pourquoi pas, dans le blanc, des petites boules pour vraiment venir compléter le look. Voilà. Et on voit comme une certaine transparente. Moi, je pense que je pourrais... J'irais peut-être faire un petit punch de couleur avec une bralette qu'on peut ajouter sur notre brassard puis qui est vraiment absorbe aussi l'humidité. La bralette, on peut la porter seule. Je vous en montre une pour vous montrer. Donc, la bralette, on peut la mettre seule. Cette bralette-ci, elle est à 26 $. On peut la mettre seule si pour chez nous. Là, moi, souvent, là, j'enlève mon soutien-gorge en arrivant, surtout quand il fait très chaud. J'enfile ma bralette tout seul, étant donné que je ne fais pas... toute la journée debout. Donc, ou bien on peut la mettre par-dessus notre soutien-gorge, puis ça peut être un beau petit clin d'œil, là, si je le mets en dessous, vous allez voir ce que je veux dire. On pourrait aller juste chercher une petite pointe, puis c'est beau en dessous, puis ça fait de la couleur. Donc, avec un petit ajout de couleur ici à l'épaule. Donc, voilà les bralettes. C'est small, medium et medium large. On vient à recevoir dans le médium large, il manquait beaucoup de bralettes dans le médium large, mais ça va être sur le site internet dès demain. Donc, à vous d'aller vérifier si ça vous intéresse. On continue sans plus tarder. Donc, 55 $, celui-là, ce beau chandail-là avec les espadrilles. Les gens ont bien aimé cet imprimé-là. Donc, le petit bijou que je porte, 36 $, avec vraiment différentes perles, chaînes et compagnie. Encore là,
c'est vraiment un... ceux qui sont allergiques là, au métal ou bien qui oxydent facilement, c'est un petit... un effet suède, le... donc le petit cordonnet. Donc, on continue encore là. Je vous ai montré le capri qui est un petit peu plus large de la cuisse. Celui-ci, c'est dans la collection Carelli. Donc, j'ai ramené aussi dans la... je vais vous montrer un autre capri qui est en jeans. Hein, c'est ça, c'est vraiment, c'est vraiment la taille. Hein? Il faut passer la taille pour se contorsionner un petit peu. Et celui-là qui nous reste quelques tailles également, qui est vraiment très apprécié de la clientèle, c'est un beau Bermuda. Bonjour! C'est un beau Bermuda qui est très extensible, une belle longueur. Avec, on peut vraiment aussi, vous lavez les mains, vous êtes la bienvenue. Puis ensuite, vous pourrez aller ici, là, puis vous ne serez pas dans la caméra, il n'y a pas de souci. Donc, voilà ici, on a 79$. C'est dans nos soldes à 20%, donc ça vaut la peine d'en profiter. Là, j'en file un 28, habituellement c'est ma taille, dans la collection Beyond cette fois-ci. Donc, voilà. C'est vraiment un beau Bermuda, une belle longueur. Qu'est-ce qui est intéressant aussi avec les petits rouleaux comme ça, c'est que si on veut avoir un petit peu plus long, on le déroule tout simplement. Ça nous fait vraiment un Bermuda un peu plus long. Donc voilà, ça peut être vraiment une façon de l'offrir. Ah, j'ai... Bon, mais je vais vous montrer ça avec le corail. Tout le monde aime le corail. Hein? On a vraiment eu des petits chandails corail. Ils sont tout vendus. Ce qu'on avait présenté. Celui-ci, ah, je viens de voir, il y a une camisole qui est tombée. C'est un beau, une belle dentelle corail avec le bas en mélange de soie. Ils ont la camisole qui est assortie, donc ça fait partie de l'ensemble. Je vous enfile pour vous montrer la camisole dans le corail. Regardez le corail, aussitôt qu'on le met près du visage, ça donne vraiment du teint tout de suite à toutes les carnations, comme j'ai déjà dit. Le corail va à tout le monde. Le top est à 78$, donc vraiment très joli. Pourquoi pas mettre un short avec un top un petit peu plus chic? Ça casse, donc ça fait un sport chic tout allé. Voilà, donc celui-ci encore là. C'est un taille unique. Je pense unique, je vérifie. Ah, je vais vous dire ça après. Dans le bas, on voit ici je pense que c'est de la viscose celui-là. Je ne crois pas que c'est de la soie, juste à y toucher. Mais regardez si c'est joli, la couleur est magnifique. On a une petite asymétrie aussi vers l'arrière. Donc voilà, très joli. Là, encore là, celui-ci, dans le, je vais vous dire le prix, on l'a dans le fuchsia qui est magnifique également. Il est à 78$, mais je pense peut-être que je l'avais dit. Puis je voulais... Ah non, il y a des tailles. Donc, on a small, medium, large. Moi, je dois porter le small, je vais vous dire ça tout de suite. Puis, il y a vraiment, ça pourrait être un medium facilement. Donc, le extra large pourrait vraiment habiller une taille forte. Je vous montre, je vous dis tout de suite la grandeur. Oui, c'est un small, donc c'est quand même fait généreux. Donc, ça aussi, j'ai pas mis le bijou qu'il avait mis avec, mais regardez si c'est joli. Ça met du punch dans... regarde, c'est vraiment joli. On a du vert, du jaune et j'adore la petite perle, la petite plaquette en métal doré ici. Vraiment super joli. C'est un bijou de la collection Axel à 32$. Vraiment un beau choix ici. Puis la chaînette, c'est vraiment des grosses mailles dorées. Donc, doré et corail, c'est très gagnant comme mélange de couleurs. Donc, j'ai eu un beau petit Bermuda également dans la collection Tricoto qui est infroissable. Donc, un effet lin infroissable. J'explique qu'est-ce que je veux dire. Je vais vous l'enfiler d'abord. Je crois qu'il n'y avait pas toutes les tailles de disponibles. Donc, moi, je vais vous essayer un 10 ans. On va voir si c'est fait petit ou grand. Donc, Tricoto. Je vous enfile ça. Qu'est-ce qui est intéressant? On a une taille élastique. Donc, taille élastique à l'arrière. Donc, ça, c'est toujours vraiment aimé de la clientèle. Habituellement, je suis 6 ans, mais dans le Tricoto, on a réussi à avoir 10, 12, 14. Donc, seulement. Donc, avis aux intéressés. C'est un Bermuda, comme je vous ai dit. C'est un effet lin. On dirait vraiment que c'est du lin. Moi, je suis allée voir la confection.
Parce que si ce serait un bermuda en lin, vous savez que ça froisse immédiatement. Mais là, je vais faire le test avec vous. Ah, on va enlever la petite camisole. J'ai vraiment quelque chose de très joli à sortir avec ça. Je suis en train de faire un petit bordel en arrière. Ouais, vraiment, d'après moi, il a baissé sa taille parce que je pourrais habiller une taille ou deux en dessous puisque j'ai vraiment de la place. Mais regardez, la longueur est vraiment belle. Donc, le test du froissage, mais là, si on fait un gros turn-up, puis là, c'est vraiment... Donc, je pense que c'est du polyester. Je vais vous montrer tantôt la confection en l'enlevant. Je vais la sortir avec un chandail de la collection Angela Mara qu'on avait déjà eu, qu'on avait tout vendu. Les gens avaient vraiment aimé l'imprimer. On a été capable d'en ramener. Celui-ci, il y a des tailles, small, medium, large, à 79 $. Je vous montre. Celui-là, c'est le small. C'est quand même un look oversize très généreux. Moi, je serais du genre à le mettre un petit peu sur le côté pour donner une asymétrie et le rentrer un peu à l'intérieur pour vraiment lui donner un look. Voilà, comme ceci. Et je pense que je mettrais peut-être le petit côté ici pour voir vraiment le bel imprimé. Ici, c'est la personne prend son café du matin. Donc, hein, on connaît tout ça. Quand on se réveille le matin, on a besoin d'un café pour se mettre sur le piton, comme on dit. Donc, voilà. Chandail manche courte. C'est sûr, moi, je le mets sur l'épaule, mais on pourrait facilement le mettre aussi en V, beau col en V ici. J'avais un autre bijou qui avait été ajouté. Même chose que tantôt dans le jaune, mais dans les couleurs de terre. Ça pourrait être vraiment très joli juste de l'ajouter. J'ai aussi un élément qui a été très populaire. On a ramené toutes les couleurs, mais là, on a vendu beaucoup encore là. Il nous reste le noir en magasin, le ivoire et c'est tout. Noir et ivoire, mais on va ramener les autres couleurs qui nous manquent, dont le rouge aurait pu être beau aussi avec le rouge. Donc, petit couvre-épaule ici qui est vraiment, qui ajoute un petit plus à notre look. Donc, voilà. Et puis, qui réchauffe, c'est très, très doux. De la collection Axel à 29 $. Celui-là, il est sur le site Internet. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Je vous ai montré mardi un bermuda. Là, je n'ai pas besoin d'enlever la fermeture éclair, étant donné qu'il est grand. Hein, un étape de moins. Ah, c'est viscose. 85 viscose et 15 polyester. Donc, effet lin, mais vraiment moins froissant que le lin. Je vous montre. Ah, j'ai pas dit le prix. Donc, celui-là aussi, il va être dans nos soldes. 119 $. Il est quand même pas donné, mais la coupe est vraiment belle. C'est sûr que là, si j'avais eu ma taille, ça aurait été encore mieux. Mais vous avez quand même pu voir comment ça pouvait tomber. Je vous ai montré donc un bermuda. Puis je vous l'ai montré avec un chandail très neutre, mais je vous montre avec le beau fuchsia. Je vais vraiment vous montrer. Bon, là, je vais enlever lui parce que je vais être très imprimée. Je pense que c'est bien beau les imprimer, mais il faut être un petit peu réservé pour mélanger plusieurs imprimés ensemble. Voilà, regardez si c'est beau avec le bijou beige, là, ça donne vraiment un petit, une harmonie avec le chandail de la collection, celui-ci, Angela Mara. Je vous avais présenté le bermuda qui est vraiment, là je vais le dérouler un peu parce que je pense qu'on les avait roulés avant. Bermuda de la collection, une collection italienne qui va être sur le site cet après-midi. Donc, c'est le fit one size, donc celui-là. Et il y a tellement de couleurs pour mettre avec. Mais moi, ce que je suis allée chercher, c'est vraiment le fuchsia. Là, je ne mettrai pas la petite camisole en dessous parce que ça va faire une étape de moins. Mais regardez si ça fait ressortir vraiment le fuchsia de ma petite fleur ici. Je vous montre. Là, il est très, très lousse, hein, celui-là. Fait que des fois, on a quelque chose de trop lousse en bas. Puis, vous voyez, là, au niveau de la silhouette, ça écrase la silhouette, hein? Déjà, c'est pas très, très avantageux pour la silhouette. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit qu'on le raccourcit en faisant, moi, j'irais peut-être avec un nœud. Donc, on fait un nœud sur le côté. Donc, ça nous raccourcit notre chandail. Puis, on peut tout simplement, quand on a fait notre nœud, on peut ramener pour raccourcir notre chandail. Donc, ça nous fait vraiment un chandail un petit peu plus court. Donc, deux façons de le porter avec un bermuda qui est un petit peu plus
moins ajusté que si j'avais été avec un legging, par exemple. Donc, de cette façon-ci, ou tout simplement en le mettant à l'intérieur pour vraiment faire en sorte que ça soit moins écrasant pour la silhouette. Soit qu'on le mette complètement à l'intérieur ou même le faire un petit peu relâche pour avoir un look un petit peu plus décontracté. Donc voilà, très joli avec le fuchsia. Donc ce top-ci, je vous rappelle qu'on a deux couleurs, corail et fuchsia. Il est dans la collection Angela Mara et pas encore sur le site, à 78$. Donc vraiment très féminin. Là, je l'ai mis avec un imprimé, mais je le verrais très bien aussi avec un beau jeans, capri en jeans, short en jeans. Même chose un peu que ce que je vous ai montré tantôt. Donc, je continue sans plus tarder avec, ça c'est un petit coup de cœur de moi-même. Oh, je pense qu'on a passé par-dessus les... On est rendu un peu dépassé la vidéo, mais on était 5 minutes en retard. Donc, ça... C'est pour ça qu'on est rendu là. Donc, ici, on aurait pu rajouter un petit bijou avec la perle. Hein. La perle est toujours très actuelle. On en a beaucoup dans la mode. La perle est vraiment très tendance pour la saison d'été également. Je vais vous montrer vraiment mon coup de cœur à moi. C'est une tunique de la collection Ficoto. J'ai réussi, quand je suis allée chez Tricoto, quand j'ai ramené quelques nouveautés, à avoir cette tunique-là. Parce qu'aussitôt que je la porte en boutique, les gens me la demandent. On n'avait plus de taille de disponible. On a été capable de rapporter extra small, je crois, à extra large. Et puis, maintenant, je pense que le small l'a vendu. Donc, il reste extra small, medium, large, x large. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Ah, ça, c'est la médium. Mais je pense que moi, j'ai pris la small, mais quand même, à l'écran, là, vous allez pouvoir voir comment ça tombe. C'est une tunique. Moi, personnellement, je ne la porte pas du tout avec les... sans rien parce que c'est vraiment trop transparent, trop court. Peut-être quelqu'un qui mesure 5 pieds, ça pourrait être parfait comme longueur, mais moi, je suis comme 5, un peu plus que 5 et 3. Donc, non, c'est pas... Je trouve ça un petit peu trop. Je vais vous le montrer. Là, je viens de voir le petit legging. Pourquoi pas mettre du punch? Moi, je le mets souvent avec mon fuchsia. Donc, je mets mon cuisseur fuchsia. Mais là, je vais vous montrer autrement. Pourquoi pas avec le brick? Donc, on va y aller avec le cuisseur brick qui est en mélange de bambou également. Donc, je vous l'enfile. Ça pourrait être tout noir aussi, mais moi, ce que je fais, étant donné qu'on a l'air climatisé à la boutique et puis que je suis, comme je le répète souvent, je suis très frileuse, je mets un foulard puis j'essaie d'assortir. Ah, celle-là aussi, elle fait beau. Un foulard qui pourrait être vraiment aller chercher. Ouais, je pense que celle-là, ça va être plus. Ben, encore là. Je vais essayer celui-là. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, pour que votre foulard tombe bien, allez, pour pas que ça tombe trop carré, allez-y avec une pointe. Pour vraiment qu'il soit beaucoup plus fluide, pour vraiment qu'il tombe très, très, c'est plus un peu plus de légèreté. Donc voilà, ça fait vraiment un petit punch de couleur avec la tunique, celle-ci, de la collection Tricoto, qui est quand même dans nos rabais. Donc je vous quitte avec cette tunique, un de mes coups de cœur de la saison. Donc je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Et puis, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des interrogations pour les tailles, si c'est fait pour vous. On va mesurer, on va vraiment vous aider à choisir la bonne taille quand vous allez recevoir votre boîte chez vous. Ou bien venez nous visiter en magasin, ça va nous faire un plaisir de vous accueillir. Donc, merci et puis n'oubliez pas de partager. Donc, pour ça vous donne un petit coup de main puis ça nous fait vraiment beaucoup de... Ça nous donne beaucoup de visibilité. Donc, une façon facile de nous aider en partageant notre vidéo. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine!